peu comme la signature d'une société secrète. Une sorte d'ordre de gardien qui veillerait sur les super-héros et leurs Miraculous depuis la nuit des temps. C'est ma faute, Maître Fou. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû lui confier un Miraculous. Alia est une excellente journaliste. Je suis certain que tôt ou tard, ton ami aurait bien fini par faire les mêmes découvertes. Mais rien ne peut mener Papillon jusqu'à nous, rassure-toi. Et on retrouve ce symbole sur la nouvelle statue qui vient d'être présentée au Louvre. Ah, impossible! C'est impossible! Nous sommes perdus! À cause de cette statue? Mais vous disiez à l'instant que rien ne pouvait... Ce n'est pas une statue, Marinette. C'est un senti-monstre, une créature magique faite d'une émotion à laquelle le pouvoir du pan a donné forme. Maître, Chat Noir et moi avons déjà affronté des senti-monstres créés par Majora. Certes, mais en termes de puissance, aucun n'était à la hauteur de celui-ci. Il est né de l'émotion négative d'un jeune homme qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Tu te souviens que je t'ai dit avoir fait une terrible erreur? Pour que tu comprennes, il va falloir que je te raconte toute mon histoire. J'étais plus jeune que toi quand j'ai été choisi pour devenir gardien. Mes parents m'ont dit que c'était un grand honneur que je ne pouvais pas refuser. Alors, ils m'ont emmené au temple. Je n'étais pas très heureux. J'aurais préféré être avec mes parents ou d'autres enfants de mon âge. Je n'avais pas envie d'être gardien de quoi que ce soit. Pendant ma formation de gardien, au cours d'une épreuve initiatique, j'ai dû veiller sur les Miraculous un jour et une nuit sans manger, avec pour seul soutien mon bâton d'apprenti. J'ai rapidement eu faim. Plus les heures passaient, plus j'étais affamé et en colère. Tout ça, c'était à cause des Miraculous, parce que je devais veiller sur eux. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Alors j'ai pris le Miraculous du Pan et je me suis servi de son pouvoir. Tout ce que je voulais, c'était un gentil petit compagnon que je pourrais envoyer à la cuisine me chercher des boulettes de riz. Mais il ne faut jamais utiliser un Miraculous pour de mauvaises raisons. La colère que je ressentais s'est mélangée à la faim qui me tiraillait et j'ai créé un senti-monstre très différent de ce que j'avais en tête. Un senti-monstre affamé dont la raison d'être était de tout dévorer sur son passage. Et en particulier, les Miraculous que je maudissais intérieurement à ce moment-là. Dans la panique, j'ai perdu mon bâton, l'objet qui me permettait de contrôler le senti-monstre. Je n'étais qu'un jeune garçon. J'avais tellement peur que je n'ai même pas pensé à utiliser le Miraculous du Pan pour le détruire. Au lieu d'appeler à l'aide, je tentais d'effacer les traces de ma bêtise. Un moine m'a dit de m'enfuir en emportant le grimoire qu'il avait pu sauver et la Miracle Box, la toute dernière des Miracle Box. C'est là que j'ai compris. Mon senti-monstre avait dévoré toutes les autres boîtes de Miraculous conservées au temple. Et quand les moines ont tenté de l'arrêter, le temple, l'ordre des gardiens, tout cela a été détruit. Dans ma course pour échapper au senti-monstre, j'ai perdu le grimoire, le Miraculous du papillon et celui du pan. Je pensais le senti-monstre disparu à jamais. Dès que le papillon apprendra son existence, il voudra se servir du pouvoir du pan pour ramener le senti-monstre à la vie. Maître, si ça se produit, Chat Noir et moi serons là à vos côtés. Mais vous n'avez aucune chance. Il est insensible au pouvoir des Miraculous. Et je t'en prie, Marinette, cesse de m'appeler maître. Je n'ai jamais été un véritable gardien. Je ne commettrai pas une nouvelle erreur. Vous allez me rendre vos Miraculous, Chat Noir et toi. Je quitterai Paris avec la Miracle Box, puisque c'est elle que le senti-monstre veut. Il me poursuivra, épargnant ainsi la ville et tous ses habitants. Mais que se passera-t-il s'il vous rattrape? C'est que tel était mon destin. C'est ma faute. Je suis le seul responsable. Je ne vous abandonnerai pas. Quand vous m'avez choisi pour être Ladybug, vous m'avez fait confiance. Alors je vous demande de faire la même chose aujourd'hui. Merci, Marinette. Du fond du cœur, merci pour tout. Je suis désolé. Oh. Wise? Chère Marinette, tu es une incroyable Ladybug, mais je ne veux pas risquer ta vie et celle de Chat Noir pour réparer mon erreur. J'espère que tu pourras me pardonner. Sois heureuse et oublie que nos chemins se sont croisés. Signé Fou. Oh non, attendez, Tiki! Non! Non! Attendez, maître! Êtes-vous sûr que c'est la bonne solution? C'est la seule solution!
battre. Attendez. Si Marinette avait encore eu son Miraculous, le Sentimonstre n'en aurait fait qu'une bouchée. Ou elle se serait changée en Ladybug et l'aurait combattu. Parfois, on ne peut pas combattre, Wise. C'est l'odeur des Miraculous qui attire Festin. L'homme qui l'a pris en chasse ne peut être que le gardien des Miraculous. Bientôt, il n'aura plus rien à garder. Festin va tout dévorer sur son passage. Et nous pourrons enfin savourer notre victoire, cher Mayura. C'est ça. Et votre copain, c'est le célèbre Banana Chat, j'imagine. Appelez-moi Bananoir. Qu'importe qui nous sommes, cet homme est poursuivi par un monstre et nous devons l'aider. Oui, d'accord. Vous pouvez compter sur moi. Merci, super chauffeur. Ladybug et Chat Noir, malgré leur costume ridicule, ils se battent à vos côtés. Ben, c'est impossible, ils n'ont plus leur Miraculous. Bon, d'accord, je veux bien vous aider, mais ne restez pas au milieu de la route, c'est trop dangereux. Brûlons la roche. Destruction de matériel numérique. Brûlons. Suis-moi, André Glacier. La vie des justiciers de Paris. Vous voyez bien que ce sont eux, enfin. Qui d'autre ferait une chose si folle? Hé, le vilain, goûte ça. Un banana split explosif préparé par Banana. Ouvrez les yeux, maître. Inutile de fuir, puisque quoi qu'il arrive, vos disciples combattront. Même si vous leur avez repris leur Miraculous, il reste Ladybug et Chat Noir. Je refuse d'être responsable de leur perte. Que ça vous plaise ou non, vous êtes le gardien. Exactement, et la décision finale me revient. André, on n'a plus de munitions. André, allez vous mettre à l'abri, on va régler ça. Enfin, j'espère. Laisse-les tranquilles. C'est moi que tu cherches depuis 172 ans et pas eux. Le gardien des Miraculous serait donc ce vieillard décrépit. C'est ça que tu cherches? Miraculous. Tu n'auras aucun mal à t'en débarrasser, Festin. Allez vite vous transformer. Je suis le dernier des gardiens des Miraculous et je compte bien réussir. N'ai plus peur de toi désormais. Merci beaucoup, Ladybug. Je savais que vous feriez le bon choix. C'est parti, Wise. Transforme. Votre dos, maître. Vous avez passé l'âge de jouer les super-héros. On s'en occupe. Allez vous cacher avec la Miracle Box. En grandissant, on s'aperçoit que la vie ne nous offre pas toujours les cadeaux que l'on espérait. J'aurais tellement aimé te dire tout ça de vive voix, Marinette. Mais si tu lis ceci, c'est que j'ai déjà perdu la mémoire. Ça ne doit pas te faire peur, ni te faire de peine. Comme je te le disais au début de cette lettre, on perd tous quelque chose quand on grandit. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas perdre ou gagner. Ce qui compte, c'est d'accepter de changer. C'est d'accepter que, même si la vie ne nous donne pas toujours les cadeaux que l'on espérait, la vie, elle, est toujours un cadeau. C'est incroyable! Je viens à peine de vous rencontrer et pourtant mon cœur bat comme s'il vous connaissait depuis toujours. Il faut toujours écouter son cœur. Tenez, monsieur, pour le voyage. Merci, jeune demoiselle. Je ne vous oublierai jamais. Obligatoire pour qu'il ne soit pas considéré comme des colis abandonnés.
Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Pas seul, chat noir. Il te faut des renforts pour le vaincre. Rends-moi ma lady. Idiot, j'anticipe tes pas et j'ai toujours un temps d'avance sur ton tempo. Besoin d'un coup de main? Oh, salut Pégase! Vipérion! Carapace! Prêt à enchaîner quelques pas de danse? Méfie-toi de Vipérion, il a le pouvoir de remonter le temps! Seconde chance! T'en fais pas, chat noir, on assure tes arrières! Seconde chance! T'en fais pas, chat noir, on assure tes arrières! Il n'y a qu'un seul Miraculous qui puisse rétablir l'ordre, mais il est tellement spécial. Bah, ils veulent le petit singe en peluche. Je suis pas une peluche. Je m'appelle Zoupou, espèce andouille. Je m'appelle pas andouille. Moi, c'est Kim. Pouette. Je me demande si c'était vraiment une bonne idée.